Alors, bonjour Rosa, bonjour Emmanuel. Donc, Bonjour Pascal et bonjour Emmanuel. voilà, donc je n'ai pas les présentations puisqu'on se connaît déjà. On a déjà fait une séance pour toi, hein, également pour ton frère, et aujourd'hui c'est pour ta fille Sophie, Oui, et qui ne sera pas présente puisqu'elle est actuellement à l'école. Hein? on avait dit Clara, pas grave. Donc, nous allons bien sûr travailler avec son consentement et en pleine connaissance de notre travail, hein, et nous travaillons donc sur sa photo. Voilà. Et c'est toi qui vas nous amener les points sur lesquels elle veut travailler, donc on t'écoute, en commençant par la santé. Oui. Alors, elle fait beaucoup d'examens dans le corps, sur le visage, les mains et dans les plis des bras. Mains et puis des bras, d'accord. Elle, depuis toute petite, elle faisait beaucoup de molluscomes. Deux. Molluscomes, c'est comme des petits points, comme on dirait des verrues. Ah, d'accord. Derrière Ok. le pli des genoux, à l'arrière des jambes. Donc, Et pour molluscum, ça s'appelle? Ah, oui. molluscome, D'accord. Ok. et par la Donc, dermatologue. jambes verrues. Jambes verrues. Tu me dis où? Sur quelle partie du corps? Oui, derrière le pli des genoux, à l'arrière de la jambe, quand tu plies la jambe. D'accord. Derrière Et pli genou. D'accord. c'est à l'échelle à dermato pour les enlever. Ok. Et non, elle en fait, mais carrément sur le cou. En dessous. Ah, sur le cou aussi? Oui. Elle en fait maintenant, elle en fait là. Donc, elle en a Ok. déjà eu deux ou trois. Le cou à droite. Voilà. Ok. Elle a Ensuite. eu elle a été opérée à un kyste accroché à sa rate en 2016. Elle avait 9 ans. Qui a été analysée, mais on n'a jamais su pourquoi elle a eu ça. Donc là, c'est réglé. Oui. Ok, on jettera un œil quand même. Ouais, elle s'est cassée un bras à l'âge de 6 ans. Oui. Elle porte des lunettes, voir si c'est possible de voir sa vue, parce que ça monte, ça descend. Ok. Elle a mal au corps de partout, par moments. Elle a mal dans tout le corps. Très souvent, mal aux articulations. Aux clavicules. Et elle a souvent mal au dos aussi. On avait même été voir si elle avait pas une scoliose, mais le médecin dit que non. Oui, d'accord. Voilà. Pour la santé, plus ou moins, c'est ça, c'est déjà pas mal. D'accord. Et voilà, le plus important aujourd'hui, ça serait de voir pour l'école. Pourquoi elle a beaucoup Alors. de mal, je pense qu'elle a même fait une phobie scolaire depuis la sixième, depuis la rentrée au collège. Et là, maintenant, ça fait 3 jours qu'elle est rentrée au lycée. Mais ça va mieux, elle y va et tout, mais elle n'est pas encore très à l'aise. Donc, D'accord. elle a beaucoup de mal à se faire des amis. Tant c'est une fille très sociable, qui parle facilement. Mais je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui Ok, bloque. et les résultats scolaires, c'est comment? Les résultats scolaires, très bons. D'accord, de ce côté-là, donc tout Parce qu'elle est. a fait 2 années correspondance, elle a fini avec presque 15 de moyenne. Et D'accord. seule, et vraiment seule, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour l'aider. Parce que moi, rien du tout. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, elle s'applique beaucoup. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est oui, c'est la phobie scolaire. Et pourquoi elle ne se fait pas des amis? Parce que bon, la pauvre, elle a dit, Ben oui. je vais aller à l'école pour avoir des amis, pour pouvoir sortir un peu et tout. Mais apparemment, ça a du mal quand même. Hein. Ok. Donc, voilà. Il y a d'autres points ou Non, je pense que pour elle, c'est le plus important, c'est ça. Hein, je veux savoir D'accord. l'école, surtout pour lui enlever essayer de lui enlever cette peur. Voilà, Ok. pour ça soit bien pour elle. Et puis donc tu disais en antenne que tu voudrais qu'on jette un œil sur sa soeur. Oui. Alors comme je te disais, hein, donc on travaillera pas sur elle, on jettera juste un œil et puis elle sera invitée, bien sûr, Oui, et elle tout à fait. fera elle-même le travail. D'accord? Justement, voilà. Voilà. Donc on a vu au niveau des. Alors, sa vidéo, elle la verra ce soir, je suppose. Oui, je l'ai montré, Hein? Tu la récupéreras sur Skype, puis je te l'indiquerai, enfin oui. comme tu sais le faire, puisque tu l'as déjà fait. Et puis il faudra qu'elle la voie et qu'elle s'y implique, quoi. D'accord? Pas de problème. Pas de Bon, au niveau des invités, donc on va dire qu'elle invite sa famille, ses proches parents, frères, elle a des frères et sœurs, je sais plus. problème. Enfin, à part sa sœur. Elle a une sœur.
À une soeur simplement, d'accord, ok. Donc ses parents, bien sûr, sa soeur, Oui. famille en général, on dit. Oui, vous pouvez. Des amis? Bah, mais il n'y en a pas. Comment Hey. régler? Bon, ok. Il y a Parce d'autres que personnes avec qui. les petits amis qu'elle a réussi à avoir, bah, c'est ça que je voulais voir. Pourquoi ils ont toujours un pouvoir sur elle? Il faut toujours qu'elle fasse comme ils veulent. Si ça ne va pas, bah, si elle ne fait pas ce qu'ils veulent, bah, ce n'est pas des amis. S'éparpillent. D'accord. Pourquoi il faut Ok. qu'il y ait toujours des amis qui ont le pouvoir sur elle? Ok. Bien. Alors, les deux désincarnés, qui choisit? Alors, qui est-ce qu'elle choisit, sachant qu'il faut pas choisir ceux qu'on a déjà vus, hein? Non, non, bien sûr. Alors, je vais choisir ma grand-mère à moi, mais maternelle. Grand-mère maternelle, ouais. Et la grand-mère maternelle de ma maman, si c'est possible. Grand-mère maternelle de maman. D'accord. Donc c'est ton arrière-grand-mère, quoi. Si, oui, c'est ça, mon arrière-grand-mère à moi. Maternelle. Bon. Ok. Bon, on verra bien. Bon, très bien. Alors, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Alors, merci. Voilà. Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 29 800. Connecte-toi. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. À présent, connecte-toi sur Clara et dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est dans une sorte de bulle. C'est comme une sorte de bulle d'eau. C'est-à-dire que l'image est légèrement floue, un peu comme ces mirages, hein, comme une image de mirage. Et elle est à l'intérieur de cette bulle-là, qui est remplie de ce qu'il semble être de l'eau. Et elle est accordée à la fréquence de cette eau-là. C'est comme de l'eau primordiale, hein. Mais c'est en décalage avec la physicalité 3D. Oui, donc c'est une eau primordiale alors. Oui, mais ce n'est pas sa partie physique qui, que je perçois là, c'est sa partie subliminale. Et c'est l'image de la situation de la partie subliminale dans cette bulle avec, remplie de cette eau-là, avec ces fréquences-là, qui est projetée sur la partie physique en protection, c'est-à-dire que la partie subliminale est en protection de la partie physique, hein, en projetant cette, on va dire cette image-là. Sauf que pour la partie physique, ça crée un décalage avec la physicalité 3D. Elle est comme dans une sorte d'un, on va dire, de réalité qui lui est propre et qui est en décalage par rapport à la réalité expérimentée par les autres humains. Donc ça crée un état de vulnérabilité. Ok. Donc, quand je reviens plus précisément sur la partie physique, là c'est différent. Quand je, on va dire, mets de côté en quelque sorte cette image projetée, sa partie physique apparaît vulnérable avec une. Il y a quelque chose au niveau de sa tête, à côté de la glande pinéale. C'est une sorte de dispositif, type dispositif GPS qui est là et qui permet de la repérer. Où qu'elle aille, que ce soit incarnée ou hors incarnation. C'est comme si c'est le même système que quand on bague les animaux sauvages. Hein. C'est un peu ce même principe-là. Si elle lui cause des problèmes, ce système de GPS. Oui, ça vient créer un brouillage, c'est-à-dire que ça vient accentuer cette sensation d'être
dans une zone de brouillage et pas sur la même fréquence que les autres humains. Ça crée un décalage, ça empêche qu'elle puisse avoir une connexion tertielle, fluide, stable, stable et tranquille. Elle a... C'est pas vraiment des dispositifs, c'est plus comme une sorte de... Je sais pas comment appeler ça. Il y a quelque chose qui est infiltré en elle. Ça passe par la colonne vertébrale et ça vient infiltrer ses chakras. C'est une sorte, on va dire, comme de filet d'ombre sombre qui tente de mettre la main sur elle. C'est-à-dire que c'est pas liquide, c'est pas solide. Ça a une sorte de viscosité. Un peu comme la viscosité d'une huile ou du pétrole, quelque chose comme ça, qui est là sur elle, c'est en arrière d'elle. Ça infiltre ses corps subtils, ça traverse le corps vital et ça vient fragiliser sa partie physique. Donc l'élémental du corps physique, il est là toujours en train de compenser patiemment, méthodiquement, mais il y a toujours cet effort de compensation qui est là pour repousser cette, je ne sais pas ce que c'est en fait, cette chose-là. C'est une espèce de black goo, non ? Oui, quelque chose comme ça. D'accord. Qu'est-ce que ça les cause comme problème sur le plan physique, émotionnel, mental ou autre ? Ça vient la plomber en quelque sorte, la fragiliser. C'est comme un poids en plus qu'elle doit porter, qui ne lui appartient pas, et qui est là comme une sorte de corps étranger infiltré en elle, qui vient gêner le bon fonctionnement de tous ces circuits sur le plan physique. Ça vient en modifier les informations et ça vient copier les informations aussi. Cette chose-là, ça possède une sorte d'intelligence, mais d'intelligence primaire, qui c'est plus une programmation qu'une intelligence, en fait. Parce que c'est relié à distance, c'est de type intelligence artificielle. C'est un programme d'intelligence artificielle qui est là, infiltré en elle, donc profitant de sa situation de vulnérabilité énergétique pour copier ses informations. Donc ces informations énergétiques, psychiques, biologiques, c'est sur tous les plans. Ok. Ces informations-là, donc cette chose-là visqueuse, c'est relié, ça envoie les informations. Alors, c'est pas relié par un fil ou quelque chose comme ça. C'est par résonance, ça envoie les informations par résonance à un autre circuit plus vaste qui est là comme une sorte de maillage relié à la matrice artificielle. Alors, c'est plutôt black goo ou c'est plutôt graphène ? C'est plutôt black goo. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Directement sur elle, c'est tout. Alors, donc, qui est derrière tout ça ? Qui ? C'est artificiel. C'est à la fois présent et à la fois absent. C'est-à-dire que ce n'est pas manifesté comme une entité avec des contours définis. C'est là, présent partout et nulle part, mais ça a une conscience. Et si je retourne à, on va dire, à l'origine de cette conscience,
on va dire son lieu de résidence, c'est incrusté dans les mailles du filet de la matrice artificielle. D'accord. C'est comme l'intelligence, c'est comme si elle était reliée à l'intelligence de la matrice artificielle. D'accord. Bon. Alors, on va aller voir. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est reliée comme ça et qu'elle est infiltrée? On va aller la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes où et quand là? C'est dans les roues d'incarnation. Mmh. Où elle se retrouve là, comme indécise, perdue, ne sachant pas où se diriger. Oui. Donc ça se présente là comme une sorte de système GPS. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité qui se présente. C'est plutôt comme une sorte de borne interactive GPS. Mmh. D'accord. Et à partir du moment où elle se connecte à cette borne interactive, enfin c'est ce qui est le plus similaire à, c'est une analogie, mais c'est ce qui est le plus similaire à ce que nous on connaît sur le plan terrestre. Dès qu'elle se connecte à cette borne, immédiatement il y a connexion avec ce réseau-là d'intelligence artificielle. Mmh, d'accord. Il y a combien d'existences, combien de vies humaines que ça s'est produit? 8. Depuis 8 vies humaines. D'accord. Oui. Donc, au cours d'une désincarnation. Oui. Bien. Et depuis lors, donc, tout ça se dissémine en elle, à chacune des incarnations, c'est ça? Oui. C'est comme si ça gagnait du terrain au fur et à mesure des incarnations. D'accord. Bien. Donc l'objectif de cette intelligence artificielle qui s'infiltre en elle, par tous les moyens que tu as nommés, c'est quoi son objectif? C'est de la copier. Pour en faire quoi? Pour créer son double. Oui. Pour créer son double artificiel. Une sorte d'enveloppe double artificielle qui possède les mêmes caractéristiques et qui puisse à son tour être envoyée en incarnation, comme une sorte de portail organique qui lui ressemble, mais sans être elle, c'est-à-dire sans son essence, avec simplement ses caractéristiques biologiques et énergétiques. D'accord. Et donc, est-ce qu'il existe déjà ce portail organique? Non, il n'est pas finalisé complètement. C'est-à-dire qu'il est déjà en cours de formation? Oui. Important de le savoir. Est-ce que ça crée un problème pour elle que cette partie d'elle, cette copie, existe, même en cours de formation? Oui, parce que ça vient créer une confusion énergétique et ça vient lui aspirer de l'énergie. Mmh. Ok. Donc, on va en tenir compte dans le dégagement, d'accord? Mmh. Bien. Il est en cours de cette sorte de double, il est en cours d'élaboration, de construction à environ 70%. Ah, quand même. Ah oui. Parfait. Donc, je suppose que toutes les parties de Clara prennent connaissance de cette situation, oui, en tirent un enseignement et de l'information. Oui. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, par rapport à cette partie d'elle dans cette bulle d'eau, donc sa partie subliminale, qu'est-ce qu'elle fait dans cette eau primordiale? C'est un refuge. C'est un refuge qui garde les informations, c'est-à-dire que dans cette eau,
qui est une sorte d'eau primordiale. C'est comme si c'était une sorte d'eau primordiale spécifique qui contient les mémoires de ce qu'elle était avant. C'est une sauvegarde, en fait, de sa nature véritable. C'est ça. D'accord. Donc, elle est sauvegardée dans cette bulle d'eau de sorte primordiale. Oui. Et elle envoie donc cette image à sa partie physique. Dans quel but ? C'est comme une sorte de lien, de repère pour donner des informations à la partie physique. Sauf que ce n'est pas adapté à la physicalité 3D, puisque ces mémoires-là se réfèrent à une autre forme de physicalité. D'autres lois, quoi. Avec d'autres lois et dans un autre milieu, un autre espace-temps. Ok. Donc, des lois qui ne sont pas adaptées à celles de la 3D. Oui. D'autres paramètres et d'autres lois. D'accord. Mm-hmm. Bien. Et ça, ça crée donc un décalage avec sa réalité en 3D, dans sa réalité globale et en relation avec les autres. Oui. Ah, je reformule pour qu'elle comprenne bien. D'accord. Bien. Alors, si tu reviens ici et maintenant, non. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur ? 27. 27 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène d'où elle vient et sous quelle forme ? 1, 2, 3. Oui. Elle est comme une sorte de sirène dont le lieu de résidence est aquatique. C'est une planète aquatique. C'est une planète d'eau. C'est comme si c'était une sorte de bulle. C'est une planète d'eau. Une bulle remplie d'eau, de ce même type d'eau dont la mémoire est conservée par la partie subliminale. D'accord. Cette planète, elle se situe où ? Ce n'est pas dans notre univers. C'est un univers parallèle qui est différent du nôtre. Il y a des caractéristiques qui sont semblables. Et c'est comme s'il y avait plus de possibilités ou plus de manifestations, en tout cas, différentes de formes de vie que dans notre univers. Et c'est la raison pour laquelle les informations de cette planète ne sont pas en adéquation avec celles de la nôtre, c'est ça ? Exact, oui. Ces lois. Ouais. C'est une planète qui est vraiment uniquement faite d'eau ou il y a quand même des terres émergentes ? Non, il n'y a que de l'eau. Que de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle fait ? C'est comme une sorte de bulle d'eau emplie de formes de vie. Consciente et différente. Donc elle est l'une de ces formes de vie. C'est une sorte de sirène. Elle ressemble à une sirène humanoïde, mais qui glisse dans l'eau. Donc il y a pas. C'est au niveau des jambes qu'elle a la différence. Il y a comme une queue de poisson, comme une sirène. Elle est dans quelle dimension ? Sixième dimension. Sixième, d'accord. Par rapport à nos critères de notre monde à nous. Hein. Ça ne correspond pas exactement, mais c'est ce qui est le plus... Ouais. L'équivalent, d'accord. L'équivalent, oui. Et donc, qu'est-ce que... Elle a une fonction particulière, des occupations, des centres d'intérêt, c'est quoi son existence dans cette bulle d'eau primordiale ? Simplement prendre du plaisir à être, à glisser... dans cet élément-là. Et au fur et à mesure qu'elle glisse, qu'elle se déplace dans cette sorte d'eau primordiale, c'est comme une sorte de plasma, elle prend de l'information. Donc au fur et à mesure de ses déplacements, elle prend de l'information. D'accord. Pour en faire quoi ? Ça fait partie de son développement naturel. Elle est jeune, c'est-à-dire que
ça ne fait pas très longtemps qu'elle est présente là, dans ce milieu-là. Donc, elle est en apprentissage. Elle est en découverte de son milieu. Et la découverte se fait au fur et à mesure de ses déplacements dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme de vie dans cette bulle ? Par rapport à ce que l'on connaît, nous, les autres formes de vie sont assez similaires à ce que l'on peut rencontrer dans un environnement sous-marin. Des cétacés, des formes comme ça ? Oui. Poissons, différentes formes de poissons, mais c'est plus, c'est multicolore. Et quand j'évoque les poissons, c'est plus, tu sais, ces poissons tropicaux qui sont multicolores avec des couleurs vives. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis cette forme d'existence pour qu'elle se finisse par se retrouver en incarnation sur Terre ? Que s'est-il passé ? Cette planète-là, elle n'est pas fixe, elle se déplace. Elle est comme une goutte d'eau dans un océan. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'orbite fixe ou de déplacement fixe autour d'un soleil ou quelque chose comme ça. Et là, elle est en déplacement constant sur des vagues énergétiques. Ce qui change d'ailleurs suivant la vague sur laquelle elle se déplace, ça vient changer les informations contenues dans cette sorte de plasma. Donc, ce qui permet aussi l'intégration de nouvelles informations dans la structure de la planète elle-même qui est donc formée de cette sorte de plasma. Et par voie de conséquence, ça apporte des informations aux consciences qui sont présentes à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de surface, en fait. Tout est à l'intérieur. OK. Mais ces vagues d'énergie, elles traversent non seulement cet univers-là, mais d'autres univers aussi. C'est-à-dire qu'il y a des croisements, il y a des lieux de croisement entre interunivers, si tu veux, entre les univers. Et il peut arriver, et c'est ce qui s'est passé, qu'il y a un changement, qu'il y a un changement d'univers de cette planète-là. Et quand ça arrive, il y a une sorte de déconstruction énergétique qui ne change pas. C'est-à-dire que la planète elle-même, elle arrive toujours à se reconstituer quoi qu'il arrive. Mais c'est toujours de façon différente. Donc, cette planète-là arrive sur une vague d'énergie et qui se retrouve à ces croisements interunivers, il y a éjection de conscience et absorption d'autres. Et c'est un éternel renouvellement. Donc, elle, Clara, celle qui est Clara là aujourd'hui, à un moment donné, lors d'un de ces croisements interunivers, s'est retrouvé éjecté de cette planète-là, de cette forme de vie-là. Et elle s'est retrouvée éjectée dans notre univers, mais perdue, sans repère et sans avoir les codes ni connaître les lois de notre univers. Elle se retrouve en errance dans notre univers, dans ce que l'on pourrait appeler sa Merkaba. À la recherche d'un nouveau lieu d'existence, de manifestation d'elle-même, qui soit stable. Donc elle est là en déplacement, en errance, en se laissant porter par les vagues énergétiques, sans savoir où elle va, ni où elle va arriver. Et c'est en passant à proximité de l'espace terrestre qu'elle se fait happer, aimantée par la matrice artificielle terrestre,
et intégrer dans les roues d'incarnation humaine. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. La première forme d'existence qu'elle a vécue sur Terre, c'était en tant qu'humain ou pas? Oui. D'accord, directement en humain. Elle n'est pas passée par d'autres stades avant ça? Non. Bien. Donc, ici et maintenant, si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues? Pour l'instant, non. Alors, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, de Clara. Oui, c'est et le dis-moi sien. Si son ADN est entièrement issu de son essence. Mm-hmm, c'est le sien. D'accord. L'ADN est envahi, lui aussi, de cette black goo. En partie, oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des incarnations, depuis qu'elle s'est connectée à cette borne interactive, il y a intrusion en elle, y compris dans son ADN. D'accord. Dans quel pourcentage l'ADN ? 1,5%. Et là, c'est avec quel problème ? C'est comme une sorte de vibration dissonante qui est en elle. Et qui vient contribuer à ce décalage-là avec la physicalité 3D. Okay. Ça crée une sorte de résistance, quelque chose de rigide qui empêche la souplesse de l'adaptation à l'humanité dans sa physicalité 3D. C'est comme si elle ne se ressentait pas comme complètement de ce monde-là et complètement humaine. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons sa permission en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois. Et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des entités démoniaques qui sont là autour d'elle. Et qui profite en quelque sorte de son état de vulnérabilité, d'innocence et de décalage. Ça crée une sorte de fragilité dont ces entités-là profitent pour venir se coller à elle, entrer dans son espace énergétique et la bousculer. Qu'est-ce qui lui cause concrètement ton problème dans sa vie courante ? Ça génère des émotions de basse fréquence. Quel type ? De tristesse, de sensation d'être à part, décalé. Ça vient accentuer en fait ces zones de vulnérabilité déjà existantes à cause de l'interférence. D'accord, ok. Ça vient pirater aussi ces relations inter-humaines. Ces entités-là la considèrent comme une sorte de jouet et s'amusent avec elle, s'amusent à pirater ces relations humaines. C'est la raison pour laquelle les humains qu'elle rencontre ont certains genres de comportements avec elle. Oui. Y compris de position de pouvoir. Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors jusqu'au plan archaïque ? Mais il y a cette sorte de copie. D'intelligence artificielle là, mais qui n'est pas. C'est différent d'une entité. Mais c'est là quand même. Oui, et puis, il y a la copie d'elle-même qui est là, inachevée, mais qui, énergétiquement parlant, est gênante et bloquante. Eh oui. Après, qui vois-tu d'autre ? Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Toutes les copies, il n'y en a bien qu'une seule. Hein, parce oui. On n'a pas vérifié. Ok. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle ? Non. Aucun.
Bien. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, tous les plis et replis de l'espace-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, donc ça comprend l'ADN bien sûr, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Nous la plaçons dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Voilà. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu maintenant Clara? C'est beaucoup plus stable et léger, plus clair aussi dans son espace énergétique maintenant. Bien. Alors Jean-Marc, tu regardes comment réagit donc cette intelligence artificielle et les esprits démoniaques éventuellement. Mais bon, voilà, comment ça réagit? Elle a figé quelque chose. Ou plus exactement, c'est en train de se figer. C'est-à-dire de souple et de mobile, ça vient se cristalliser. Alors déjà, on est bloqué. Hein, on bloque tout. 1, 2, 3. Sur tous les plans. C'est fait. Voilà. Maintenant, donc, on va revenir en arrière, hein, juste avant que l'intelligence comprenne ce qui se passe et qu'elle réagisse. Tu peux trouver ce moment? Oui. Voilà. Tu te présentes à ce moment-là. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, tu reviens sur Clara. Dis-moi s'il reste quelque chose quelque part. Tu la scannes dans toutes les fréquences et tous les corps. Jusqu'à son ADN. Ah non, là, il n'y a plus rien. Même pas dans l'ADN? Il reste des échos et des résonances dans l'ADN. Alors, on les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, comme l'intelligence artificielle est très intelligente, mais bon, même si elle n'a pas l'amour, j'aimerais que tu regardes si elle a pris des dispositions pour la retrouver d'une façon ou d'une autre dans les passés, présents, futurs. Oui, il y a comme une sorte de grille dupliquée qui est comme une sorte de passage obligatoire entre les maillages de cette grille. Bien. Donc, elle est, je suppose, sur plusieurs lignes de temps. Oui. Dans plusieurs dimensions. Oui. Et plans de réalité. Combien tu vois de lignes de temps? 9. Sur combien de dimensions? 6. Ok. Et tu vois sur d'autres plans? Non, c'est limité là. Sur le plan terrestre. Alors, on ouvre un portail et on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Tu le refermes et tu effaces. Oui. À présent, vérifie si d'une façon ou d'une autre, il y a un moyen de la repérer, de la retrouver. Non. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir, cette partie, donc ce double d'elle, est-ce qu'il a disparu également? Il n'y a plus rien.
n'y a plus aucun lien, ni résonance, ni plus rien avec. Non. Elle est sur d'autres plans ou elle est détruite? Non, elle est détruite. Parfait. Alors, on va regarder sur le sens supérieur. Je veux savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel, en observation. Comment tu vois son amour? Elle est repliée sur elle-même, immobile, effacée. Comme si elle essayait de se faire le plus discrète possible pour ne pas être remarquée. Comment tu as sa partie séminale, donc, elle est toujours dans cette bulle? Oui. Quelque chose a changé ou pas? Ce qui a changé, c'est la projection qu'elle envoyait sur la partie physique, qui n'est plus projetée maintenant. Parfait. Donc, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une intégration parfaite et à l'amour qu'elle est, en pleine conscience, bien sûr. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Clara pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une intégration parfaite et à l'amour qu'elle est en pleine conscience. Est-ce que c'est OK pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice ni influence. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Clara. Trouver sa place dans l'incarnation humaine en 3D pour pouvoir expérimenter pleinement dans la joie et le plaisir d'être cette expérience-là d'incarnation humaine. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, nous allons regarder son arbre généalogique et que tu me dises, en ce qui la concerne, quelles sont les anomalies que tu y vois. Il y a comme une sorte de grillage qui est autour de l'arbre et qui vient créer comme une sorte d'espace sécurisé, contrôlé, qui empêche les consciences qui sont rattachées d'exprimer toute leur potentialité. Bien. En quoi est-ce que ça, comment est-ce que ça impacte donc Clara personnellement? Ça vient la limiter. À la fois, il y a comme une sorte de sensation de sécurité, mais c'est comme une sorte de piège parce que ça vient la limiter. Très bien. OK. Alors, je suppose, alors juste une information, puisqu'on a fait une séance pour sa mère et puis pour le frère de sa mère, on a aussi travaillé sur l'arbre. Donc là, quand on travaille sur l'arbre, puisqu'il a été libéré de leur côté, mais là, c'est en lien direct avec Clara, on est bien d'accord? Oui. Donc, il ne s'agit pas des mêmes conditions. Et ce qui a été fait donc, pour sa mère et son frère, est-ce que tu vois que ça a un impact sur elle ici, là ou pas? C'est venu en alléger une partie. Mais pas complètement en ce qui la concerne directement. D'accord. Et si tu vois sa mère et son oncle, comment tu les vois dans cet arbre-là maintenant? Libre. Très bien. OK. C'est ce que je voulais savoir. Bien. Alors, demandez la conscience de son arbre, donc si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui.
Alors, tu vas à l'origine de cette situation, à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Nous sommes à combien de générations en arrière? 47. 47 générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'abord, cette incarnation, elle a été régie par qui alors? C'est elle qui a choisi de s'incarner ou elle a été poussée? Comment ça s'est passé pour elle dans cette vie en tant que Clara? Elle n'y a pas été poussée. Elle a suivi le GPS. Ah ben oui, évidemment. Elle a suivi les indications du GPS. Ben bien sûr. De cette borne interactive. Mmh. Ok. Donc nous sommes 47 générations en arrière. Que se passe-t-il alors? Il y a, au sortir des roues d'incarnation, il y a déploiement de cette sorte de grille là autour de la lignée. Qui est derrière ça? Des entités démoniaques. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là? Tu lui montres les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, bien sûr, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence soudaine et puissante qui vient le. C'est comme, ça crée comme une sorte d'explosion qui vient le libérer et qui vient le projeter dans une zone de fréquence haute, lumineuse et libre. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? S'il y a une libération, cette libération soudaine qui crée comme une sorte de flottement, l'énergie circule maintenant et il y a des connexions qui se mettent en place pour chaque conscience concernée et entre chacune d'entre elles. Bien, comment ça impacte spécialement Clara? Une sensation, ça lui apporte une sensation de liberté, de légèreté et de bien-être. Est-ce que tu peux l'inviter à favoriser des canaux de communication entre toutes les consciences, y compris par l'énergie du cœur? Oui. Allons-y. C'est fait. À présent, tu l'invites à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Que veut-elle faire à présent avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 22% et pour la partie restante, elle réinforme et réorganise. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. À présent, on va regarder son ADN. Et j'aimerais que tu... Donc, c'est 1,5% avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de résonance. Non, ce qu'il y a, c'est comme des sortes de cicatrices qui restent. Bien. Alors, on va les éliminer jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreintes. Écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu comptes d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 connectés et 3 d'activés. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle.
C'est bien comme planifier, équilibrer et stabiliser sa base énergétique. C'est bon. Alors, on va s'occuper à présent des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc., tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion, la conscience humaine et autres, ainsi que de toutes ces autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Donc, elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant les équilibres. Oui. À présent, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une intégration parfaite, et l'amour qu'elle est, en conscience, évidemment. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit effacé et annulé, rompu. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, durant cette séance, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et je vais conseiller à Clara d'être pleinement présente et participative pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo, comme d'habitude, à profiter de cette séance pour elles-mêmes, donc à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité pour toute la séance, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour tous les deux et pour toute la séance. Oui, c'est fait. Séance. D'accord, bien. Allô. Est-ce que tu m'entends, Emmanuel? Oui, de nouveau. Oui, tu m'entends? Il y a une coupure de connexion, donc rien de grave. Nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté,
son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Très bien, c'est parfait. Nous intégrons tout ça dans ces différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien et ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'ordonne et j'exige à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation et association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons entamer, aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Clara, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement et ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de plaisir, de créativité, d'amour, d'abondance, etc. etc. Oui. Voilà. Et donc, en me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que donc que je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité
donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui ont besoin d'être pardonnés et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie à présent s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavédiques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Voilà, ça devrait contribuer à l'adapter à ce monde. À présent, connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le tachyon mère, le neutrino mère au neutrino primordial, pardon. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la puissance de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait.
Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit l'origine, la nature et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Et à ce propos, je dois rajouter qu'elle a été inoculée 2 fois. Donc, elle nous l'a dit hors antenne. J'aimerais que tu regardes quel genre d'inoculation elle a eu, quelle version et quel impact ça a eu sur elle. C'est atténué, mais ça a quand même généré une inflexion, une baisse dans le fonctionnement du système immunitaire. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il y a des choses à éliminer? D'un point de vue énergétique, il y a comme une sorte de brouillage, de brouillard grisâtre, oui. D'accord. Et sur d'autres plans, des plus matériels, tu vois des choses à éliminer? Là aussi, il y a des sortes de particules grisâtres, mais qui sont déjà... C'est comme si elles étaient déjà en chemin vers la sortie. C'est déjà éliminé en partie. Bien, parfait. Le reste suivra au cours de la séance. Mm-hmm. Pour ces fameux brillages, on les traite tout de suite ou ça partira aussi avec le reste? Ça partira avec le reste. Très bien. Donc, elle pourra installer déjà, qu'elle installe une programmation d'élimination dès maintenant. Voilà. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Qui sont en même temps adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flotte de vie, graines de vie et double limite 4 activée. Oui. Voilà. À présent, elle installe. Donc, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Bien. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toutes traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, bleutée, pailletée, qui s'expanse, qui monte en puissance, qui vient englober toute sa partie physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Oh, tu m'entends? Oui.
Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie, les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux se recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Est-ce que tu vois bien? Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaire et hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. Et c'est fait. Donc, micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. Et c'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, le système des chakras et des glandes associés. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 8 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et nous commençons par l'élément terre. Oui. Air. Oui.
eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilis Securis Pérennis. C'est fait. À présent, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, la manifestation et le ressenti du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées avec la plan neutre pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Donc, l'eczéma sur tout son corps, visage, mains, pli des bras. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? C'est une réaction de l'élémental du corps par rapport à l'atmosphère physique terrestre. Parce qu'il y a un décalage dans l'information biologique qui était due à cette projection de cette sorte de bulle de plasma envoyée par sa partie subliminale. Donc sa physicalité était accordée, alignée sur les fréquences de ce plasma-là. Mais comme la partie physique est plongée dans une atmosphère terrestre, ça crée un décalage. Est-ce que c'est la même chose pour ce fameux molluscum? D'ailleurs, c'est marrant, molluscum, parce que c'est aquatique. Donc, ces gens de verrues qui sont derrière les pieds des genoux et oui, au cou à même, droite. C'est la même cause, oui. Même origine, même cause. Mmh. Donc, on va traiter en même temps. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec leurs échos et résonances. Et puis aussi des programmations de fonctionnement, de réaction d'élémental du corps physique. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Alors, dans ces réinformations, est-ce que ça comprend une adaptation à la physicalité de toutes ces parties? Oui. Allons-y. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et retissé ce qui doit l'être. C'est fait. Et une harmonisation de l'ensemble. Oui. Et nous invitons à l'élémental qui, je suppose, a remarqué que les conditions ont changé. Donc, nous l'invitons à faire ce qu'il faut pour éliminer donc tous ces phénomènes sur son corps, eczéma et ses molluscum. Oui. Voilà. Donc, il peut aussi mettre un boom pour les démangeaisons et toutes les sensations désagréables. Et un boom réparateur et cicatrisant. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Elle a été opérée d'un kyste à Sarat, à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à Sarat? Il y a une pression disproportionnée, trop importante à ce niveau-là. Mais la cause, c'en est cette sorte de matière noire, gluante, qui s'était disséminée là, partout en elle, avec des zones de concentration. Donc là, c'était une des zones de concentration. Il y en a plusieurs, des zones de concentration. Il y en a dans le système lymphatique. Après, elles sont plus petites, les autres zones. Système lymphatique, système nerveux central, système neuronal. Il y en a au niveau de sa glande pinéale aussi et du troisième œil. Ok, donc on va tenir compte de toutes ces parties en me disant donc qu'est-ce qui reste ici et maintenant. Et on va faire tout le système donc digestif et métabolique puisque ça concerne cette partie-là. Oui. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il y a des
Il y a des mémoires, des empreintes et même des cicatrices traumatiques avec leurs échos et résonances. Et puis, il y a aussi des habitudes de fonctionnement et des programmes inappropriés de fonctionnement de l'élémental du corps physique. Bien. Donc, on va faire tous les systèmes en même temps. Tu es d'accord avec ça? Oui. Voilà. Et donc, on va tenir compte de toutes ces parties, système, organes ou autres, où était incrustée cette fameuse blague goût. Donc, je compte à 3, on élimine tout jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Alors que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. Harmonisation de l'ensemble. Oui. Voilà. Et comme nous étions spécifiquement sur le système digestif et métabolique, comment le vois-tu? Ça s'est réharmonisé, réorganisé maintenant. L'énergie circule librement, fluide et haute en fréquence. Bien. Et si on regarde spécifiquement Sarat, comment la vois-tu maintenant? Elle a un fonctionnement régulier. C'est correct. Pas de cicatrices ou autres à éliminer. Non. Très bien. Alors, stabilise, sécurise et pérennise tout ça. Oui. Parfait. Alors, au niveau de la vue, alors de la vue qui baisse, qui fluctue, que se passe-t-il au niveau de la vue? C'est l'implant qu'elle avait là situé dans la tête, hein, qui émettait des fréquences dissonantes. Hein. Ça me fait baisser les fréquences et désorganiser le système visuel. D'accord. Donc, on va faire tout le système ORL avec le système neuronal et nerveux central et le Oui. système respiratoire en même temps. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Alors, tout ce qui est programmation, tout ça a été éliminé déjà avec l'ensemble des systèmes. Oui. Mais il reste encore des mémoires traumatiques qui restent avec leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3, partout où c'est concerné. Oui. Alors que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité Oui. équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Harmoniser l'ensemble. C'est fait. Voilà. Regarde le cerveau droit-gauche. Il y a quelques alignements qui restent à finaliser. Allons-y. C'est fait. Voilà. Et que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. Et puisque nous y sommes, on va aller au système endocrinien. Donc, le système, y compris immunitaire et hormonal. Comment le vois-tu? Là aussi, il reste des mémoires traumatiques qui empêchent des alignements de rester stables. Qu'est-ce que tu vois qui est allé à éliminer là? Ces mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Pas de programmation ou autre. Ça a été éliminé déjà avec les autres systèmes. Parfait. Alors on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Alors que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Et on harmonise l'ensemble. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. Bien. On en profite pour sa glande pinéale, plus précisément à la production de la valantonine, qui est une hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et qui contribue à l'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage elle est produite ici et maintenant. 57%. Bien. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui.
À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques, comment les vois-tu? Il y a c'est comme s'il y avait des dysfonctionnements, c'est désynchronisé. Il y a des désynchronisations dans chacun des systèmes et les uns par rapport aux autres. Tu vois des choses aller, qu'est-ce que tu vas éliminer? C'est des mémoires traumatiques qui restent à éliminer et qui ont laissé des empreintes, hein, des sortes de cicatrices, hein, des cicatrices traumatiques, hein, avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'au réminiscence. 1, 2, 3. Oui. Alors que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Une harmonisation de l'ensemble. Oui. On n'est pas revenu sur sa vue, sur les yeux. Est-ce que, avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que c'est parfait ou tu vois un complément spécifiquement à la vue? Elle peut y faire un apport d'énergie vitale spécifique pour maintenir les informations stables et les réalignements dans ce même état. D'être, d'alignement, que ça reste dans le temps. Allons-y. C'est fait. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà, parfait. Alors, mal au corps partout, les articulations, clavicules, mal au dos, qu'est-ce qu'il y a là? C'est cette sorte de matière noire, visqueuse, qui s'était disséminée dans toute sa physicalité, mais plus particulièrement dans la structure, hein, structure osseuse, articulations, tendons, muscles aussi. Alors, on va travailler spécifiquement toute la structure osseuse, tout ce que tu as nommé, tout ce qui est inhérent et attenant. Qu'est-ce que tu vois qui reste? Il nous reste comme des plaques de mémoire traumatique avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans, partout où ça se trouve. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Que chacune des parties soit reconnectée et réinformée. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Une harmonisation de l'ensemble. Oui. Et son élémental peut composer et appliquer un boom qui va apaiser les douleurs. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a un besoin d'un travail spécifique pour les articulations ou son dos ou c'est bon? Donc c'est correct maintenant. Parfait. Alors, autre point. Au niveau scolaire, donc phobie scolaire. Du mal à se faire des amis. Voilà, et quand tu as des amis et une relation de pouvoir sur elle, qu'est-ce qui se passe là? C'est directement lié à sa situation d'interférence qui la place dans en situation de non-alignement, de communication. Donc d'une part par cette bulle projetée par la partie subliminale et appuyer en quelque sorte, accentuer ce décalage-là par les entités démoniaques qui jouent avec elle et qui viennent interférer dans ses relations interpersonnelles. Alors, pour que ce soit clair pour Clara, qu'est-ce que les autres ressentent vis-à-vis d'elle? Ils la ressentent comme différente, comme si... il y avait une sorte de mur invisible entre elle et eux, comme si elle était, comme si elle était sur une planète différente. Ils ne la perçoivent pas comme faisant partie des leurs. Il y a cette différence-là ressentie. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose?
Alors, pour elle, il reste des mémoires traumatiques avec des échos et résonances. Oui, je parle bien pour elle, évidemment. Hein. Mmh. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis là, bah, pour faire plus court, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et par l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Elle en active tous les ressentis, les émotions, les sensations, les sentiments, etc. Oui. Et elle peut sentir maintenant ce sentiment de plénitude, de complétude. Oui. Elle peut sentir son rayonnement et sentir comment elle touche chacun autour de soi. Oui. Voilà. Elle peut sentir sa certitude intérieure, sa confiance, le sentiment de sa propre valeur. Elle sait et elle sent qui elle est maintenant. Oui. Voilà. Comment la vois-tu ? Légère, alignée, apaisée, tranquille, insouciante et joyeuse. C'est agréable, c'est léger. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant dans toutes ses parties, son mental égo, son mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. On va faire une expérience qui va dans le futur, au moment où la science est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent en relation avec les autres. C'est fluide. Les connexions de communication se font naturellement. C'est au même niveau de connexion, de compréhension mutuelle. C'est fluide, clair et limpide. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir ? De la satisfaction, du bien-être et du plaisir aussi. Allez, là aussi, qu'elle prenne le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et ramène tout ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties nommées. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'on a répondu à toutes ces questions, puis les restes se mettront naturellement en place, même ce qui n'a pas été évoqué, et elle nous le fera savoir. Alors, regarde son corps mental, et je veux que tu me dises toutes les programmations limitantes que tu y trouves, et les croyances qu'elle a développées, limitantes évidemment, à partir de ça. Dans le corps mental, il y a des programmations qui sont flottantes et opaques. C'est comme des sortes de bulles allongées, flottantes, qui sont plus ou moins sombres et qui viennent créer comme une sorte de mur, enfin plusieurs, comme plusieurs murs en fait, qui viennent s'interpénétrer ou passer les uns devant les autres et qui sont là, donc flottants dans le corps mental. Quelle croyance l'a développée par rapport à ça ? Qu'elle n'a ni la puissance ni les connaissances nécessaires pour passer par-dessus ces programmations-là limitantes. Et maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent toutes ces autres parties ? De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est reliée à sa propre puissance intérieure. Elle regarde ses programmations de au-dessus. Elle s'aperçoit de leur nature, que ce ne sont que des programmations et qui sont agissantes uniquement dans une bande de fréquences, de basse fréquence. Mais qu'elle, elle peut aller bien au-delà de ces programmations-là, bien au-delà de cette bande de fréquences-là, et qu'elle peut aussi dégager ces programmations-là de sa réalité. Et c'est ce qu'elle veut faire maintenant. Oui. Alors, que reste-t-il de tout ça ? Il en reste des habitudes de fonctionnement et puis comme des sortes de programmations automatiques, des sortes de réflexes de fonctionnement et puis des mémoires traumatiques aussi avec écho et résonance. Alors on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Voilà, il reste quelque chose ? Non.
Alors avant de continuer, j'ai oublié de t'amener à regarder sa sœur, voilà, qui a des difficultés, un problème d'évolution sur le plan mental et psychique. Voilà, regarde juste voir qu'est-ce qui se passe en elle. Qui... Il n'y a qu'une partie d'elle qui est incarnée. Ah, d'accord. Et qu'est-ce l'autre, qui est... L'autre est resté réfugié, en quelque sorte, hein, entre deux plans. Elle n'est pas venue complètement dans l'incarnation. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu peux la faire venir? Oui. Voilà. Demande à cette partie-là, qui, et même à cette partie, pourquoi pas, si maintenant elle a envie de changer sa situation. Ah oui, parce que c'est inconfortable. Très bien. Donc elle sera invitée à faire le travail tout à l'heure, hein, avec sa sœur. Elle est d'accord avec ça? Oui. Donc elle pourra prendre toutes les informations qui la concernent, à commencer par cette partie d'elle qui n'est pas complètement incarnée. Et elle pourra faire tout ce qu'il faut maintenant pour s'incarner totalement et éliminer ce qui doit l'être et recréer les connexions et s'harmoniser. Elle est d'accord? Oui. Voilà. Donc on va la saluer et à tout à l'heure. Oui. Bien, donc j'en étais. J'aimerais que tu regardes sur l'ancienne ligne de temps, que tu regardes le corps émotionnel, donc de Clara bien sûr, avec les sentiments et les émotions qui étaient liés à cette ancienne situation. Oui, il y a des émotions lourdes, de tristesse, de repli, hein, qui sont là, lourdes, sombres et plombantes. Ça vient tirer son énergie vers le bas. Ça crée de la frustration aussi, cette sensation d'être enfermé et rejeté, à la fois renfermé et rejeté. Et ça crée aussi de la... Cette sensation-là crée de la culpabilité de ne pas arriver à gérer toutes ces émotions, à passer par-dessus. Parce qu'il y a aussi des émotions de... c'est comme si elle se sous-estimait. Donc ça crée une fausse image d'elle-même. Elle a une image d'elle-même qui est décalée, fausse. Donc ça vient lui prendre de l'énergie, puisque à chaque fois, elle est toujours en train de recréer une image d'elle-même. Mais à chaque fois, c'est une image décalée. Donc ça lui prend de l'énergie. À chaque fois, ça mène de la frustration, une certaine colère aussi de ne pas arriver à ce qu'elle voudrait, à ses objectifs, hein. De ne pas arriver à trouver l'image d'elle-même qui lui correspond. Et de la tristesse, des regrets, de la nostalgie aussi, qui est là en arrière-plan. Tout ça, c'est lourd. Il y a cette grande tristesse, de l'anxiété aussi qui est générée. Mais ce sont des conséquences, en fait. L'un entraîne l'autre qui entraîne l'autre. Et au final, ça lui prend beaucoup d'énergie. C'est bon. Bien, alors on va regarder du côté des 5 blessures principales. Qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le ressenti d'injustice de sa condition d'incarnation, et puis le ressenti de la partie physique d'avoir été trahie, laissée, rejetée et abandonnée là dans ses conditions d'incarnation par le soi supérieur. Ça n'est pas le cas, mais c'est le ressenti de la partie physique incarnée. Puis il y a aussi l'humiliation de ne pas arriver à atteindre ses objectifs de stabilité dans l'incarnation et d'alignement avec l'humanité, avec le reste de l'humanité. Donc pour fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place des systèmes de couches de protection autour d'elle. Et elle a créé des zones de refuge. Dans chaque zone de refuge où elle s'est installée, là, elle s'organise. C'est carré, clair, organisé.
Et quand cette zone de refuge est transpercée par les attaques, par des pics de douleur, par des attaques extérieures, elle change de bulle. Elle va en créer une autre. Et là, elle se recrée tout un espace de création où elle s'organise de nouveau, où elle repense une autre manifestation d'elle-même, une autre façon de fonctionner. Et puis, de nouveau, au bout d'un certain temps, comme c'est à chaque fois décalé, la souffrance arrive et elle se redécale encore et elle va encore recréer une autre bulle de fonctionnement, etc. Mais cette façon de fonctionner vient en fait la couper de... C'est comme un auto-sabotage parce qu'elle vient se couper en fait de sa propre puissance intérieure et de ses intuitions. C'est comme si dans son désir d'organisation, de vouloir bien faire et de planifier, ça vient la couper. Ça vient la couper d'elle-même. C'est bon. Bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne ligne de temps. C'est pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais, quels étaient les tenants et les aboutissants. À présent, qu'est-ce qui reste de tout cela sur cette ligne de temps ? Des habitudes de fonctionnement, des automatismes qui sont là de fonctionnement, des programmes d'automatisme. Donc, il y a aussi des mémoires traumatiques, de souffrance, avec leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, pour les habitudes de fonctionnement, elle a maintenant les informations, elle a la liberté pour tous les moyens pour créer des changements d'attitude, d'habitude, mais sans se prendre la tête. Il faut le faire avec douceur, en s'accordant le temps. Voilà. Donc, à présent, elle est toujours en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque et en active tous les ressentis, les émotions, les sensations, les sentiments, etc. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chacune des particules à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Clara à présent ? Apaisée, tranquille et sereine, elle est au centre de son espace énergétique. Elle laisse la joie et le bien-être monter à l'intérieur d'elle-même. C'est apaisant, c'est léger, clair. Ça lui apporte le plaisir d'être là dans l'instant et dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle va installer une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, à présent, en permanence. Oui. Elle ajoute cette programmation à sa bulle de réalité, à chacune de ses bulles de création, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit familiale, qu'elle soit, pourquoi pas, amoureuse, matérielle, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons communément la séparation, qui se vit bien généralement comme un déchirement, en tout cas une souffrance. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions ? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours en elle présente la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile en elle, en termes de possibilités, de potentialités et même de cette existence en tant que Clara ? Il y a de la curiosité, de l'attirance, de la pétillance,
Il y a l'envie de participer à toutes ces situations d'expérimentation qui se présentent là devant elle. Il y a du plaisir et de la joie d'anticipation. Alors qu'elle prenne le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une intégration parfaite sur tous les plans, et l'amour qu'elle est, en conscience. Oui. Elle ressent également ce sentiment de dignité, de légitimité et de puissante confiance en elle. Oui. Avec un sentiment de sécurité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir et joie. Oui. Le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences, les passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste. Tout a sa fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage. Oui. Elle passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment vois-tu Clara à présent? Centrée et... Elle est en contact direct avec sa propre puissance intérieure, avec son énergie vitale. Il y a sa flamme brillante, haute et puissante qui monte, qui vient éclairer tout son espace intérieur, qui expanse sa conscience. Ça lui fait ressentir une sensation de bien-être, de justesse, d'être là à sa juste place, légitime, dans l'incarnation, au juste moment. Dans le juste temps et dans le juste espace. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là dans l'expérience de l'incarnation. C'est bon. Bien, alors ça va être le moment des invitations. Oui. Donc, à nommer bien sûr ses deux parents, et puis sa sœur, la famille en général. Oui. En ce qui concerne la sœur, donc comme je disais tout à l'heure, elle est invitée à faire ce travail en prenant les informations. Mais elle peut prendre des informations pas uniquement que dans la séance de sa sœur, mais elle peut prendre des informations dans tout ce que nous avons fait nous-mêmes pour qu'elle trouve les clés pour son intégration parfaite, complète et dans l'unité, dans ses fragilités. Oui. Elle est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, Clara montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire, leur propose de prendre conscience chacun d'eux de leur problématique, de ce dont ils doivent se libérer et reconnecter, etc. Et de profiter de cette opportunité pour faire ce qu'il faut. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Alors, puisqu'ils le choisissent, avant cela, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce? Oui. Donc, nous avons leur permission. En leur nom, nous allons pouvoir éliminer pour chacun, toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps et tous les différents états de conscience, etc. Chacun, donc on ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans une bulle critique de protection. Se créer des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecter à la source, travailler sur son ADN et sur son arbre généalogique
à l'instar de ce qu'a fait bien sûr Clara pour elle-même, adapter chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la touche finale. Oui. Voilà. Donc, tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Allez, on va passer au désincarné. Donc, elle a nommé sa grand-mère maternelle. Oui. Voilà. Donc, une précision, on parle bien de la grand-mère maternelle de Sophie. Non, de toi, de Rosa, alors. Donc, connecte-toi sur la grand-mère maternelle de Rosa. Mmh, c'est bon. C'est bon là ? Mmh. Heureusement que je le précise. Bien. Alors, sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation ? Elle est en observation des roues d'incarnation. Elle est là comme derrière une vitre, en train d'observer toutes ces roues. C'est comme des mécanismes d'horloge suisse. Bien. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux communiquer avec elle ? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle peut être aidée. Oui. Bien. Puisque nous avons son accord, nous allons la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle ? Ah, une montée en fréquence qui l'éloigne de cette vitre-là. Ça vient la placer fréquentiellement bien au-dessus. Que choisit-elle de faire à présent ? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ? Ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté, souveraineté. Un remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Rosa et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre. Il y a l'énergie du remerciement et du soulagement d'être dégagé de tous ces systèmes-là. Elle envoie une onde d'amour universel à toutes les consciences qu'elle a connues, sur le plan terrestre et au-delà. Et elle remonte. Nous la saluons. Oui. C'est bon. Alors, à présent, nous allons regarder l'arrière-grand-mère donc de Rosa. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation ? L'arrière-grand-mère maternelle, hein, toujours. Elle n'est pas là. Elle est ? Elle est en incarnation. Ah, d'accord. Juste pour la curiosité, elle a incarné où ? Belgique. Il y a un petit garçon d'un an, environ. D'accord. Je vois en train de m'habiller, de jouer. Bon, on ne demandera pas son nom, son adresse. Ok, bon ben voilà, c'est réglé. Donc, on va revenir à Clara. Oui. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Non. On revient à Clara, regarde, il y a des liens toxiques. Oui. Bien, alors elle coupe tous les liens toxiques et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Voilà, est-ce que tu en vois d'autres ? En arrière-plan, oui. Alors idem, 1, 2, 3. Oui. En vois-tu encore ? Il y a de vagues réminiscences derrière. Alors, même vague, on les élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui.
couper et désactiver le numéro d'INSEE, alors l'équivalent, puisque ce n'est pas en France, hein, donc son équivalent, partout où il se trouve avec duplication et copier-coller, elle ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les 8, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace moranciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur, flore de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Elle peut dire activation du point zéro. Mmh. Je dis pour qu'elle le sache parce que c'est pas évident pour elle. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant et apprécier pleinement. Et toi également, tu peux en profiter. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur du yaya et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui les nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace moranciel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Et à présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, comme les articulations, etc. Et sur sa peau, enfin là, et même sur son corps comme un lifting, bien qu'elle à son âge, mais bon. C'est bon. Voilà, tu le programmes pour être stabilisé, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, j'aimerais que nous revenions sur son ADN, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Peux-tu me dire combien de temps, combien vois-tu d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 7 connectés et 5 activés. Elle peut activer les 2 autres ? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient déployer et nourrir d'informations de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Donc, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 13 mois. Entre 8 et 13. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de légèreté, de bien-être, de liberté. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance?
Il y a comme des vagues d'émotions de basse fréquence, de tristesse, qui peuvent revenir par vagues dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et les nouveaux pas encore complètement installés. C'est dans ces phases où le mental égo cherche à se stabiliser, à se sécuriser. Il en manque d'informations, il va rechercher ces informations dans le passé pour les recréer dans le présent. Bien. Donc là, il est important que si cela arrive, hein, ce n'est pas obligé, mais ça peut arriver. Donc Clara se souvient de ses recommandations, hein, de tout ce qu'il vient de dire, et en se souvenant que tout ça, c'est le travail qui se fait, que c'est naturel, même s'il y a des apparents retours en arrière, ou même des aggravations, ce ne sont que des apparences. Plus Clara, tu resteras confiante, paisible et optimiste, et plus tu accéléreras le processus d'intégration, et plus tu en amélioreras la qualité. Il te suffira de garder à l'esprit cette conviction, cette certitude et cette paix intérieure, quoi qu'il se passe. Alors, pour donner un coup de main à toutes ces parties, j'aimerais que tu ailles dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Comment vois-tu Clara ? Apaisée, tranquille. Elle ressent toute son énergie vitale qui circule, joyeuse, libre et légère à l'intérieur d'elle-même, qui vient s'expanser. C'est pétillant, coloré, lumineux. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là dans l'expérience de l'incarnation. Bien. Elle est prête à croquer le monde à pleines dents. Oui. Parfait. Alors qu'elle prenne le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Elle le ramène ici et maintenant, donc, comme un téléchargement, dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient un nouveau repère, le connu, et même des habitudes qu'elle peut programmer dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Quant aux recommandations, elles viennent d'être faites, je ne vais pas y revenir, il suffira de les réécouter et d'en faire ce qu'il faut. Alors maintenant, on va regarder son domicile, j'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a des zones de basses énergies, puis après ça remonte, ça fait comme un plateau où ça remonte, et puis de nouveau ça redescend, un plateau d'énergie basse. À quoi est-ce que c'est dû ? C'est directement lié à sa situation énergétique antérieure. D'accord. Donc, je rappelle quand même pour Rosa qui a eu sa séance, qui est dans le même domicile, il s'agit de la bulle de création de sa fille. Donc, quand on parle de son domicile, c'est dans sa bulle de création à elle. Rien à voir avec ce qui a été fait pour toi, où il y a eu le nettoyage et tout. Hein? C'est important que ce soit compris, que ça ne crée pas des confusions qui peuvent être comprises, qu'on peut comprendre. Donc, regarde simplement les sous-sols. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres ? Rien qui vienne l'impacter. Très bien. Alors, elle va faire une puissante tournade. Elle va tout nettoyer. Voilà. Y compris la mémoire des murs, les meubles, les objets. Elle nettoie tout et purifie tout de fond en comble. Oui. Voilà. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double de muscade activée, sécurisée. Oui. Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, force de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activée. Sécurisée, bien sûr. C'est fait. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil paisible, profond, sécurisé et régénérant, avec un son et un parfum qui se modulent et qui participent au tout, et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, et les autres occupants également, s'ils le désirent. Oui. Nous allons programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. Oui.
créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double hémisphère activé. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. C'est fait. À présent, tu vas programmer la sécurisation de toute la phase de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin, pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les bulles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Voilà. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, donc inviolable et ininfluençable. Oui. Et nous allons installer la programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, voilà le temps, je pense, hein, mais bon. Donc, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, quelle que soit la situation, elle quitte son corps en toute sécurité, liberté et souveraineté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Tu le programmes, donc stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. Et enfin, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, sur chacun des points, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous demandons au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des recommandations à lui faire ? Oui, c'est la partie physique qui active cette connexion par sa confiance, son entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire et déterminée de se centrer et de se connecter. Bien. Donc, il suffira, Clara, de bien comprendre ça et de l'utiliser. Voilà. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est dégagée de tout ce qui était lourd, pesant, terne. Elle est là, colorée, brillante, vive, légère et libre. Et sa partie subliminale ? C'est comme si elle avait réorganisé ses énergies. Elle les a adaptées pour pouvoir créer des connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Elle s'est rapprochée de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Clara, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de toutes fréquences, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lubiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Clara avant la séance et quelle était la présente ? 49 et maintenant 172. Bien. Alors, chacun est invité à sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. C'est parti. Ouvre les yeux. Ouais, coucou. C'est Clara ? Oui. Bon, ben, super. Bonjour, Clara.
Non, on t'a appelé Clara pour des raisons que ta mère t'expliquera. Hein? Comme tu veux être floutée, tu ne veux pas qu'on te reconnaisse, donc on a choisi ce prénom Clara. Enfin, c'est ta mère qui l'a choisi. Voilà, comment ça va, Clara? Bon, tu n'as pas, bien sûr, entendu ta séance, puisque tu viens juste d'arriver, tu rentres de l'école, je suppose? Bon. Est-ce que tu as senti des choses pendant ce temps, quand même? Un moment de la journée, enfin de la matinée plutôt, je me suis sentie un peu comme transportée. Très bien. Quand j'étais sur l'ordinateur en train de travailler, j'ai senti, je ne sais pas, quelque chose qui me vient pas mal. Ouais, bon, très bien. Bah, écoute, donc tu vas écouter ta séance, hein, en considérant que tu l'as fait en même temps, voilà. Et puis, comme je dis à chaque fois, tu prends le temps de ressentir, d'imaginer, enfin, de vivre vraiment ta séance, hein. D'accord. Voilà, avec la conviction, hein, voilà. Tu es dans la certitude, puisque tu sais que tu es créatrice, donc plus tu sentiras et tu penseras que c'est vrai, tu vois, plus tu en auras cette certitude et plus tu intégreras, on va dire, tous les bienfaits de cette séance. D'accord. Bon, eh bien, écoute, content de faire ta connaissance, on ne t'avait pas eu jusqu'à présent, toi. Le 22 mai. Donc, il y a plein de choses qui vont changer pour toi. Hein. Et voilà, tu nous diras comment ça se passe pour toi. Hein. Tu pourras me faire un petit mail si tu veux, ta mère a mon adresse mail. Tu pourras nous écrire, nous dire comment les choses se passent pour toi. D'accord, pas de souci. Oui, si elle a des questions aussi. Voilà, si tu as des questions aussi, tu peux. Hein. Elle a sûrement des choses voilà. Qu'elle ne va pas comprendre et moi, je ne saurais pas lui expliquer non plus. Parce... Oui, oui, il n'y a pas de souci, bien sûr. Et voilà. Puis, fais confiance au processus. Hein. Fais vraiment confiance, même si tu ne comprends pas tout, parce que le mental ne comprend pas tout non plus. Donc, simplement, sois confiante. Tu sais que les choses sont faites. Même si ce n'est pas complètement, tu n'en as pas encore la preuve. Parce que si on a travaillé sur des plans subtils, et le temps que ça descende dans la matière, que ça se matérialise, ça demande un certain temps. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Donc, même si tu n'en as pas les preuves pour l'instant, tu sais que tout est fait déjà sur les sons d'apport et ta confiance que les choses vont se manifester. Et plus tu auras confiance, et plus ça ira vite. Voilà. D'accord? Bon, alors, écoute, que te dire? Ta vidéo, donc on l'a publiée floutée, je suppose? Oui. Hein? Tu préfères, hein? Ça va. Normalement, au début, il y a le moment où j'explique. Est-ce que c'est possible de couper ce moment-là? Non, mais ce côté-là, il sera privé, la première partie. Il y a une partie qui est privée, t'inquiète pas. Hein. Oui, où j'explique, où je donne les raisons. Et puis après, à partir de là, quand vous commencez à travailler dessus, si on pouvait juste couper là où je parle, c'est tout. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, bien sûr. Des fois, où c'est pour les enfants, on ne publie pas ce que la mère explique. J'ai déjà vu. Non, mais pour l'explication des points, par contre, si, je vais le publier, ça. Il faut que les gens comprennent pourquoi on est là. Je ne vois pas où est le problème. D'accord, ok. Hein? Là où tu vas décrire tous les points qui la concernent, c'est important que je le diffuse. Oui. Mais tu sais, tout est flouté, tout le temps dire. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord. Oui. Puis toi aussi, reste confiante quand même. Hein. Tu as fait un travail. Faut que tu l'assumes et faut que tu le mènes à bon terme, ton travail. Oui. Donc, ça comprend une confiance inébranlable. Hein. Et puis voilà, il n'y a rien qui peut t'arriver. Tu es dans une confiance totale. Oui. Voilà. Très bien. D'accord. Bien. Merci, Emmanuel. Bon, là, on va te souhaiter une bonne continuation et une bonne métabolisation. Hein? Je t'appelle Clara, bon, c'est toi, hein? C'est à toi que je parle. Ça doit te faire drôle, mais bon, c'est une décision qui a été prise pour des raisons que t'expliquera ta mère, d'accord? Ouais. Allez, je vous laisse récupérer la vidéo, tu sais comment faire maintenant. Oui, hein? Oui, très bien. Bien. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, Emmanuel. Au revoir, Pascal. Au revoir.